Inaugurated the new Palais de venait à Cannes et montait les marches de ce fameux palais. Si les politiques les plus influents s'y retrouvaient pour parler de paix et de coopération, alors j'avais raison. Là, les rêves étaient permis et c'est là que l'avenir allait se jouer. La croisette sans auto du jamais vu de mémoire de Cannois, une foule qui applaudit non pas une vedette de cinéma mais une star de la politique européenne, le couple franco-allemand, un palais des festivals qui n'a aucun mal à ressembler à un bunker, Cannes a vécu pendant deux jours à l'heure de la grande Europe. Je vous le disais, l'une des volontés les plus évidentes et les plus fortes de ce sommet de Cannes aura sans doute été l'élargissement de l'Europe des 15. Le chemin est pris pour passer de 15 à 26. Les 15, sans exception, étaient préoccupés par le chômage. L'emploi a tenu une place majeure dans leurs discussions économiques. On peut dire que la monnaie unique a commencé à se concrétiser à Cannes. C'est probablement une page qui se tourne, une nouvelle ère dans les relations avec le continent noir. Enfin, pour Chirac l'Africain, le dernier sommet de son quinquennat. Thierry Tuilier, Francis Forget. Il a fallu beaucoup de persuasion à Jacques Chirac pour convaincre le Soudan et ses voisins de s'asseoir à la même table au sujet du Darfour. Vous avez su apporter à la relation Afrique-France une touche personnelle, faite de chaleur humaine, de complicité et d'attention. Mais pour Jacques Chirac, l'heure de la retraite n'a pas sonné. Vous me demandez si c'est mon dernier sommet. Je vous réponds oui, pour cette année. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va à la machine. Quoi ? Elle est ici ? Elle est sous ce bâtiment, mais il faut absolument qu'on arrive à la machine avant eux. Je vois alors. Vous allez vous taper un voyage et puis moi je vais taper la Cosette avec les gardes. Vous n'y êtes pas obligé ? On peut faire le grand saut tous les deux. À Cannes, la fin du sommet européen des ministres de l'Intérieur et de l'Immigration. Rappelons qu'un accord a été trouvé hier sur le sujet entre les 27. En quoi concrètement est-ce que ce pacte à l'échelle européenne va changer notre vie quotidienne à propos de l'immigration ? Ce pacte est une bonne nouvelle puisque c'est un premier succès de la présidence française quelques heures à peine après qu'elle en assume la responsabilité. Ça signifie tout simplement qu'il y avait une initiative française et que depuis aujourd'hui, cette initiative française devient une proposition européenne. Je crois que la ville de Cannes n'existerait pas sans le palais des festivals. Et le palais des festivals n'existerait pas sans la ville de Cannes. Donc c'est un lien extrêmement particulier entre ce magnifique bâtiment et puis ce qui s'y passe et justement la vision qu'on peut avoir de la ville de Cannes. Et ce palais a été un symbole du G20. D'ailleurs, tous les chefs d'État nous ont félicités. On a pu les accueillir, on a pu parler avec eux. Enfin, pour nous, en tout cas, ça a été certainement des moments absolument inoubliables qu'on n'oubliera jamais de notre vie. On espère, si vous voulez, bien entendu, là aussi, que ce lieu soit encore le plus magique possible et fasse que les gens qui viennent à Cannes profitent de cette magie que l'on a de ce lieu. Vous savez, il y a des lieux comme ça dans le monde qui attirent la magie même. Palais des festivals, c'est la magie de Cannes. Écoutez, je suis l'archiviste numéro 1. J'ai rien à voir avec cette femme. Quoi ? Je suis des vôtres. Scannez-moi, allez-y, vous en aurez la preuve. Procédure d'identification. J'aurais dû m'en douter. Vous n'avez rien compris. Je ne vis pas dans l'utopie, Hope. Je suis dans le présent. Et là, dans le présent, je vois très bien dans quoi je me suis fourré. Je vous en fais la Cosette et vous courez, ok ? Je vous garde une place ? Neutralisez le sujet.
believe in you, my baby. Live inside your love for me. Dress the night, wash it my car. I take you for a ride, we have some fun tonight. Oh my baby, believe, oh my baby. Believe, oh my baby. Believe, I believe, oh my baby. Baby, come on.